C'est leur vérité. Et des millions de personnes l'attendaient. Ce jeudi 8 décembre, Netflix a dévoilé les trois premiers épisodes de la série documentaire polémique sur le prince Harry et Meghan Markle. Outre la date de publication, qui tombe trois mois jour pour jour après le décès de la reine Elizabeth II, plusieurs éléments crispaient d'avance la famille royale britannique. Ces dernières années, avant même le Megoï, il a été beaucoup reproché à Meghan de n'avoir fait aucun effort pour faire partie intégrante de la royauté. Pire, nombreux ont été les admirateurs de la couronne à voir dans ses agissements des affronts directs à la reine. Dans le troisième épisode de la série, Meghan Markle se défend contre ses accusations et clame « J'ai tout fait pour m'intégrer ». La duchesse de Sussex raconte par exemple comment elle a appris à faire la révérence ou à chanter l'hymne national britannique. Elle s'est exercée en autodidacte. Pour God Save the Queen, elle est allée sur Google pour connaître les paroles sur le bout des doigts. Certains détracteurs lui ont aussi reproché de ne pas saluer la foule comme il faut. Tout est plus petit au Royaume-Uni, a-t-elle expliqué, en mimant le geste. La presse inventait tout un tas de protocoles, a par ailleurs commenté le prince Harry. Ses coiffures et ses tenues vestimentaires ont également fait l'objet d'énormément de commentaires. Parfois à tort. Parfois à raison. Meghan voulait se fondre dans la masse mais Meghan assure dans la série documentaire qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour ne pas enfreindre un protocole vestimentaire qui était très flou pour elle au départ. La plupart du temps, quand j'étais au Royaume-Uni, je portais rarement de la couleur, explique-t-elle. Si j'ai bien compris, on ne peut pas porter la même couleur que Sa Majesté lors d'un événement. Mais il ne faut pas non plus porter la même couleur que l'un des autres membres seniors de la famille. Alors souvent, le choix de Meghan s'est porté sur la couleur nude pour se fondre dans la masse, je n'essayais pas de me démarquer. Point, je ne voulais juste pas les embarrasser. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK.